Bonjour à tous et bienvenue sur Gym Direct. Je suis Mohamed, très heureux de vous accueillir ce matin pour cette nouvelle session. On va essayer de travailler le corps en entier. Vous allez voir, grâce à ce cours, normalement, vous allez être au top. Pour m'accompagner aujourd'hui, Marina. Ça va, Marina? Et on a aussi JB. JB, lui, je lui pose même pas la question. Il va bien. À la maison, vous l'êtes? On y va. Allez, venez, croisez les doigts, inspirez, grandissez-vous. Allez chercher bien haut avec les paumes de main. Rappelez-vous, ce cours est fait pour tout le monde. Quelques petites options, vous allez voir. Utilisez-les si jamais vous êtes trop fatigué. Enroulez et petit rebond droite-gauche. Gentiment, vous avez un écart de pied, largeur d'épaule. Les épaules souples. Les jambes toniques. J'inspire, j'expire naturellement. Je relâche un peu le corps, hein, c'est gentil pour commencer. Assez léger. On essaie de ne pas stresser, on essaie de ne pas avoir la tête dans les épaules. On relâche le haut du corps, gentiment, tranquillement. Pensez à vous amuser d'abord. Et allez-y, courez. J'inspire, j'expire naturellement. Pour l'instant, ne forcez rien du tout. Bien, on va repartir gentiment, tranquillement sur les petits rebonds. Voilà, progressivement, on essaye d'appuyer un peu plus sur les pieds pour ressentir un peu plus la contraction des muscles. On est pas mal. On revient sur les pas de course, plus tonique que tout à l'heure. Prenez de l'air. On essaie de ne pas laisser traîner les pieds, ramenez bien le talon jusqu'à la fesse. Ok, allez, rajoutez un peu plus de bras. Mais 10 petites secondes. Vous ralentissez, vous ouvrez largement les pieds. Droite et gauche. Je vais chercher le côté, je fléchis une jambe, je tends l'autre. Voilà, j'étire, je contracte. Tranquillement, gentiment, on va bloquer de ce côté, on reste ici. On lève le bras, on l'aligne avec la jambe. Et on passe tranquillement de l'autre côté. On aligne avec la jambe le bras. On revient sur le centre, les deux devant, jambes tendues. Regardez vers vos mains, aplatissez le dos. Ressentez que ça tire derrière les cuisses. Allez chercher le sol avec les mains. Ramenez point de talon, point de talon. Déroulez-vous et courez sur place. Allez, toujours de l'air. Ne faites rien à l'apnée. Les bras devant, tirez. Trente petites secondes. Lâchez vos bras, faites-les bouger, décontractez, droite, gauche. Continuez à courir. Faites bouger, droite, gauche. Voilà, courez normalement. Et progressivement, reprenez les petits rebonds, droite, gauche. Mes bras souples, légers. Je les ai pas ici, les bras, ils sont pas en l'air, hein. Ils sont légers, tranquilles. Courez. Avec vos bras. Fin de l'échauffement. Gentil, tranquille. Ok, relâchez complètement avec moi. Twistez le corps, comme si vous aviez quelque chose dans les mains. Relâchez tranquillement, gentiment. Faites bouger les épaules. Enroulez-les. L'échauffement est terminé, on passe au top de la forme. On va commencer par l'exercice le plus complet pour le bas du corps, c'est les squats. Je réexplique une seconde. Vous allez baisser les fesses juste au-dessus des genoux, sans laisser passer les genoux devant. Le dos toujours plat et contractez votre corps. D'accord? Cette position, c'est la position d'arrivée. Levez-vous, lâchez un peu les jambes. Marina, JB, vous. Souffle. Expirez. Je veux voir les fessiers aller derrière. Le menton légèrement levé.
Ne regardez pas vers le sol, vous allez arrondir le dos. Placez les bras devant. Souffle. Expirez sur votre montée de jambes. Bien. Sur chaque exercice, on va essayer de rester une quarantaine de secondes. J'inspire en bas, j'expire en haut. Voilà, pas très profond pour commencer, on est gentil, on est cool. Mais toute dernière ici, il me reste encore même pas 15 secondes. Souffle. Prenez de l'air. Toujours lui. Les toutes dernières. Ma dernière et je fais mes petits rebonds droite-gauche, comme tout à l'heure. Ça, c'est votre mouvement de récup. Les squats, oubliez-les pour l'instant. Le reste arrive. Inspire, expire, 20 secondes de récup. Prenez de l'air, prenez de l'air. Commencez à relâcher les bras, vous allez vous mettre en position planche avec nous au sol. Les bras ouverts, redressez la tête. Et les pieds vont faire ouvert, fermé. Prêt ? Go ! Stabilisez le haut du corps, travaillez avec les abdos. Prenez de l'air. Rappelez-vous, dites-vous que c'est à chaque fois 40 secondes. Léger sur vos appuis des pieds, fort sur les mains. Là, vous êtes pas mal, donnez-moi même pas les 15 secondes. Léger, sans lever les fesses. Ouais. 4, 3, ramenez les pieds grenouilles. On se lève gentil, petit rebond droite-gauche. Lâchez un peu les bras, les épaules. Inspirez, expirez. Prenez de l'air. J'inspire, je souffle. Continuez vos petits rebonds, continuez vos rebonds. Exercice suivant, ça va être fente et je lève le genou devant. Fente et je lève le genou. Mettez-vous en position parallèle avec moi. Celle-ci, derrière. Lève. Souffle. Trouvez le point d'équilibre lorsque vous levez le genou. Inspire, expire. Les bras, c'est seulement pour vous équilibrer. Chop. Voilà, mon point devant, mon point derrière. Une flexion de 90 degrés sur les deux genoux. Continuez, l'option pour moi plus facile, je ne lève pas le genou devant. Si ça devient trop dur, faites comme moi. Ici, je pose. Quatre dernières. 3, 2, petit rebond gentil. Prenez de l'air. L'autre jambe va arriver, préparez-vous. Rappelez-vous, pas d'apnée. Travaillez, oxygénez. Lâchez, parallèle, celle-ci, derrière. Je prolonge ma jambe et je la lève. Si je veux engager un peu plus de muscles dans les fessiers et les cuisses, que dois-je faire ? Simple, descends plus, monte plus. Là, vous y êtes. Il m'en reste encore quelques-unes sur celui-ci. Souffle. 4 fois. Oui, toujours aussi propre dans votre mouvement dernière. Relâchez gentil. Inspire, expire. On a fini celui-ci, on n'en parle plus, on le laisse de côté. Relâchez un peu l'eau du corps parce qu'il va travailler. Prenez de l'air. La position va être au sol, comme tout à l'heure, en position de planche. Vous allez faire une pompe, deux ouvertures. Sur les genoux, les pompes si vous voulez, avec nous. Un, pouce, un, deux, et un, pouce. 1, 2 et 1, souffle, option sur les genoux, c'est simple, ça fait 1, et là par contre je lève pour faire les ouvertures, parfait,
ouvre, ferme. N'hésitez pas à prendre l'option sur les genoux si ça devient dur. Chant, chant. Dans la tête. Dernière fois avant pied grenouille. Ramène les pieds. Lève. Inspire, expire. Lâchez un peu le haut. Séance assez cardio aussi pour ce qu'on a presque pas de récupération. La récupération est active. Rentrez avec nous un peu plus dans le cours. Lâchez un peu. Continuez vos rebonds. Exercice qui suit. Squat latéral, ok? Avec nous. Et toujours lui. J'ouvre symétriquement. Je ne fais pas de fente. Non. Squat. L'autre jambe, allez-y. L'inspiration, elle est où? Elle est en bas. L'expiration, elle est où? L'autre côté. Alterne. Oui. Chop. Toujours alterné. Encore lui. Allez, allez, allez. Ouais. Mes dernières. On va se faire un petit challenge. On reste bloqué ici. Restez. Maintien. On est assis, hein, Marina. Ouais, voilà. Vous aussi à la maison, asseyez-vous comme elle. Pour passer de l'autre côté. Vous me faites un saut de l'autre côté. Restez ici. On tient. Ça chauffe, ça brûle. Revenez gentil. Ok, décontracte. Lâchez un peu le haut du corps. Continuez vos petits rebonds. L'exercice qui suit est simple. Vous allez faire une planche avec les bras vraiment bien parallèles. Le but sera d'ouvrir même bras, même jambes. Même bras, même jambes. Et ça, ça se passe au sol. Venez avec nous. Prêt? Même bras, même jambes. Go. Une, l'autre. L'autre. Et un. Un. Ouvre plus. Chop. Aplatissez-moi ces fesses. Prêt pour le challenge des 8 pompes. 8 pompes, 8 pompes. Souffle. Quatre belles. La dernière est vous ramenez. Lâche, décontracte. Lâche un peu, lâche un peu. Inspire, expire. Courez sur place. Prenez de l'air, prenez de l'air. Les épaules. Très bien, l'exercice qui suit est très simple. On l'appelle le bûcheron. Pourquoi? On s'imagine une hache dans les mains. Continuez les pas de course. Le but est de casser une bûche devant vous et de relever la hache. On y va ensemble. Une, rebond, rebond. Rebond, rebond. Lève. Ouais. Allez, 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 allez. 15 secondes. Plus. Ouh.
Brit. Cat Bell. Dernière. Lâche un peu, lâche un peu. Rien. Inspirez. Expirez. Prenez de l'air. Toujours lui, prenez de l'air. Prenez, prenez, prenez. Lâchez gentiment les bras, les épaules. Le but du jeu, marcher avec les mains devant. Reculer, se mettre debout. À notre rythme. Gentil, ça fait. Une. Et je recule. On y va. Un. Recule. Déroule. On repart. On ne suit pas la musique. Suivez mon rythme. Encore. Allongez votre corps en planche. Travaillez avec vos bras, vos abdos. Souffle. Les pieds restent au même endroit. Les talons se décollent. Et les talons se recollent. Pousse. Essayez de descendre avec un bras une fois. Descendez avec l'autre ensuite. Allez, 15 secondes. Ouais. Ma dernière. Cours. Souffle. Prenez de l'air. Toujours ma petite récup active. Mes jambes, je les relâche un peu plus. Bien. Lâchez vraiment. Positionnez-vous sur le côté. Asseyez-vous en demi, en quart de squat. Faites-moi deux pas sur le côté. Un, deux, l'autre. Le plafond est plus bas que ça. Oui, ça veut dire baisse-toi un peu. Allez, allez. Continue. Plus. Un. C'est pas seulement step touch, hein. C'est assis, assis. Challenge qui arrive. Petit ici, 3, 3, 2, je fais un saut, et 3, 2, je fais un saut, et saut, boum, aïe, 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 les cuisses, une, chop, aïe, 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 les cuisses, et au feu, les pompiers, j'ai les cuisses qui brûlent. Au feu, les pompiers, j'ai les cuisses qui brûlent. Au feu, les pompiers. Donne-moi un dernier retour. Prépare-toi à te mettre au sol. Pompée. Souffle. Souffle. Ouais, c'est la fin du cours. 2 minutes. Planche tout le monde, planche tout le monde. Maintenez, résistez à l'effort maintenant. Reste. Ouvrez vos jambes, passez sur la main. Regardez sur le côté. Restez. Gentiment, tranquillement, 8 pompes s'il vous plaît, s'il vous plaît. 8. 7. 4 belles. Oui. Une autre et on passe de l'autre côté. Allez, venez. On lève le bras. Il suffit pas seulement de lever le bras mou, hein. Non, lève-le, lève-le. On clôture. On clôture tout avec les 8 pompes. On clôture tout avec les 8 pompes.
souffle. Expire. Ouais. Dernière égrenouille. Et lâche. Droite-gauche. Décontracte. Inspire. Expire. Prenez de l'air, prenez de l'air. On lâche un peu bras droit, bras gauche. Une minute de cours. Une seule minute, je vous demande. Une seule. Prenez de l'air. Inspirez. Expirez. Prêt pour mes petits squats. Commencez-les tout doux. On a une minute. La variante arrive. Sur ma levée, je lève mon genou. L'autre. Alterne. La poussée est légèrement inclinée. Chop. 30 secondes. Fléchis. Souffle. Oui. Fais-moi les dernières, les dernières, les dernières. 15 secondes. La dernière, relâchez. Très bien. Relâchez complètement votre corps. Faites twister un peu les hanches. Et décontractez avec nous en vrillant. Inspire. Expire. Lâchez complètement. Et là, on passe aux étirements. Bien travaillé. J'espère que vous avez vraiment bien travaillé à la maison. Gardez les pieds parallèles. Lâchez juste la nuque. La tête doucement en haut. La jambe loin derrière. Elle est tendue pour celle de l'arrière. Fléchie pour celle de devant. Poussez la hanche. Sentez l'avant de la cuisse. Et son arrière également. Juste ici sur l'aine, vous devez ressentir que ça tire. Changez. L'autre positionné là, loin. Et poussez-moi votre hanche sur le devant. Revenez tranquillement. Enroulez deux fois les épaules et la poitrine. Inspire. Les pouces loin derrière. Arrondissez tout et poussez en avant. Déroulez-vous. Faites une grande fente sur le côté. Fléchissez la jambe, tendez l'autre, mettez une main au sol. Et la force des cuisses, on passe de l'autre côté. Les deux mains au centre, les deux jambes tendues. Fléchissez, déroulez. Le bras loin en l'air. Poussez quelque chose en haut. Et maintenant, poussez quelque chose en bas avec l'autre. Inversez les pressions. Une nouvelle fois derrière avec les pouces. Sortez-moi la poitrine. Fier, fier.
Lâchez et faites la vrille. Décontractez, faites-vous du bien pour les 5 dernières secondes. Relâchez complètement. Voilà, c'est quasiment terminé pour nous. Juste le temps pour moi de vous remercier encore une fois d'avoir regardé, d'avoir participé peut-être à la maison. C'est bien de le faire. Invitez des amis pour qu'ils le fassent avec vous. Vous allez voir, c'est beaucoup plus motivant. Revisionnez cette émission justement sur D8.tv. Il y a les replays également. N'hésitez pas, d'accord? Et vous savez maintenant que pour avoir un bon corps, en bonne santé, il faut avoir une bonne alimentation. Allez sur le site de mangerbouger.fr. Et Marina et JB ont écrit tout simplement à gym@canalplus.fr. Faites comme eux, écrivez-nous, on vous répond. Et vous allez voir ici, c'est que du bonheur. Venez, continuez à faire du sport. Restez forts.